Le programme OZ, c'est avant tout la transmission des savoirs et des valeurs humaines et éthiques dans l'industrie aéronautique et spatiale. Ce sont des valeurs d'égalité des chances, ce sont des valeurs de partage des connaissances. Nous pensons que la diversité sociale et puis l'effort de promotion des études supérieures et du métier d'ingénieur auprès de tous les publics est essentiel. J'ai choisi de m'impliquer dans OZ parce que tout simplement c'est des valeurs en lesquelles je crois. J'ai moi-même eu la chance d'avoir été entouré par des personnes qui m'ont permis de découvrir ce que c'est que d'être ingénieur, qui m'ont incité à aller plus loin dans mes études. Et donc je considère que vraiment chacun devrait avoir cette chance de au moins connaître toutes les opportunités qui s'offrent à lui. Au moins une fois par an ou plusieurs fois par an, on intervient avec les autres parrains devant des groupes de jeunes de milieux différents pour leur faire découvrir l'ISAE et plus généralement le métier d'ingénieur, les études d'ingénieur. Devenir marraine de OZ, c'est venu assez naturellement et surtout, moi ça me fait hyper plaisir de voir des jeunes à qui on peut transmettre un peu de motivation, de sa passion, et de toute manière la passion dans l'aéronautique, ça marche que comme ça. Ça marche parce que à un moment, quelqu'un a donné envie, en l'occurrence moi ça a été le cas. Ce que je fais en tant que parrain, c'est surtout essayer de parler aux jeunes, de leur dire que rien n'est impossible, qu'il faut se lancer, que si les gens ne les accompagnent pas autour d'eux, ben nous on essaie de les accompagner ou de leur montrer des exemples, des chemins, des voies, de les aiguiller, de les encourager. Pour moi, c'est vraiment une des choses les plus importantes. Ouais. Quand je suis arrivée à Super Héros et que j'ai découvert OZ l'ISAE Super Héros, le message de partage et d'égalité des chances était hyper fort pour moi parce que j'aurais aimé avoir ces informations-là quand j'étais au collège, j'aurais aimé savoir qu'il y avait des gens qui venaient de mon collège qui avaient réussi. Alors le rôle de parrain, il est très simple en fait, c'est-à-dire que je prends énormément de plaisir à échanger avec les jeunes, à faire prendre conscience à ces jeunes qu'ils ont un accès potentiel à des études, à des métiers qui ne sont pas forcément de leur milieu social ou qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Ce que j'essaye de faire, c'est vraiment de témoigner, de dire voilà, moi j'étais à Georges Sand et maintenant je finis ma thèse en planétologie, j'accomplirai mon rêve de toute petite. Et de dire qu'il ne faut pas avoir peur de rêver et d'oser.